Une voiture blanche assure-t-elle plus d'autonomie qu'une voiture noire ou bleue, etc. Bon, ouais, franchement, les couleurs claires comme le blanc reflètent davantage la lumière du soleil que les couleurs foncées. Ça signifie qu'une voiture peinte en blanc absorbera moins de chaleur du soleil par rapport à une voiture de couleur foncée, ce qui peut avoir un impact sur l'utilisation de la clim ou du chauffage à l'intérieur du véhicule. Ouais, mais alors justement, en hiver, par contre, c'est l'inverse du coup, parce que le blanc absorbe moins la lumière, donc les voitures noires, on aura peut-être moins tendance à mettre le chauffage que les voitures blanches, parce qu'elles absorbent plus la lumière du soleil, même s'il fait 0 degré, quoi. Donc, haha, ça marche dans les deux sens alors. Il n'existe aucune donnée fiable ou d'études largement reconnues qui quantifie précisément l'effet de la couleur de la carrosserie sur l'autonomie des VE. Car si le blanc semble logiquement plus conseillé dans les pays chauds pour réduire l'usage de la clim, le noir permet dans les pays froids de réduire très légèrement l'utilisation du chauffage. Bah oui, c'est ça. Donc au final, pour moi, ça change rien. C'est impossible de mesurer si ça change quelque chose, quoi, en fait. Quel est votre avis là-dessus, vous? Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose?